Auprès de Jésus.
qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement par la Seigneur. La gloire Amen. Nous avons dit depuis le début de ce mois de septembre, par le biais de l'apôtre William, que nous sommes sous un nouveau départ. Amen. Nous avons célébré 5 ans, l'anniversaire de l'église de Shalom. Et il nous avait bien dit avant cela même, dans Ésaïe 41:10, de ne pas craindre, de ne pas promener des regards inquiets car Jésus est avec nous. Car c'est lui qui est Dieu. Il a dit dans sa parole dans Ésaïe 41 qu'il nous sanctifie, qu'il vient à notre secours, que c'est lui qui nous soutient de notre droite triomphante. Amen. Et après cela, nous avons cheminé et on a parlé du fils prodigue. Là, on avait exploité la AG 2 au verset 9 où on nous disait que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première maison. Alléluia. Et là, le Seigneur nous a montré que nous ne pouvons pas rester dans les ruines, nous ne pouvons pas rester dans les ruines, et qu'il fallait croire que ce qui venait devant, ce qui arrivait devant, c'était une gloire meilleure, alléluia, que celle qui était passée. Et c'est là qu'on avait pris l'histoire du fils prodigue pour dire qu'il avait vendu, soldé son héritage, il a ruiné sa vie dans le péché, mais Jésus, donc, qui était ici l'image de son Père, l'a accepté, l'a accueilli, et on a dit que la gloire était encore plus grande que quand on part avant, alléluia, parce qu'il y avait une joie dans le ciel du fait que son fils, qui était perdu, avait été retrouvé. Amen. Nous disons que la gloire à venir est meilleure. Amen. Et après, nous avons vu dans le livre de Matthieu, au chapitre 18, versets 23 à 25, où on nous a parlé sur le pardon. Amen. Et là, nous avons vu ce serviteur qui n'avait qu'avait du mal à pardonner la dette, donc comme par rapport au pardon que lui avait reçu, il avait gardé cette rancune, il avait lu pour lui, étant dans son droit. Il disait qu'il avait le droit de faire du mal à quelqu'un qui le devait. Mais nous, le Seigneur nous a dit qu'il était bon pour nous de laisser toute chose, même quand on nous fait du mal, de pouvoir pardonner. Alléluia. Pour que notre pour que nous soyons plus grands. Donc nous sommes ici en train de parler de ce que nous avons vu pour voir là où nous allons. Alléluia. C'est que nous voulons dire que nous étions ruinés. On nous a dit de ne pas craindre au début parce qu'on peut avoir des inquiétudes par rapport à nos vies. Et le Seigneur nous a montré qu'effectivement, hier, on avait des maisons détruites. Hier, à la première maison, les choses ne se passaient pas terriblement bien. On nous sent dans un état où on est désolé, où on est bouleversé, mais Dieu nous promet quelque chose de meilleur. Et il nous a dit que pour qu'on puisse passer à devenir meilleur, il fallait déjà qu'intérieurement, on fasse un travail. Et c'était le travail du pardon. Alléluia. C'était le travail de pardonner. Alléluia. C'était le travail que lui-même a fait à la croix, sa mission. C'était de guérir nos maladies, de guérir nos cœurs brisés, de penser toutes les blessures. Alléluia. C'est ce que nous avons vu la fois dernière, où on a partagé dans le livre de Apocalypse 13, au verset 3, où on disait que notre plaie ne doit pas être mortelle. Alléluia. Les offenses, les trahisons, les blessures que nous avons eues ne peuvent pas nous emmener à la mort. Amen. Et aujourd'hui, vendredi, on avait commencé avec ce thème où on a vu ce jeune homme, excusez-moi, je l'appelle jeune homme, mais cet homme, la Bible ne mentionne pas son nom ni son âge, mais on nous dit qu'il se trouvait donc dans les sépulcres. Dans d'autres versions, on dit tombeau, sépulcre, mais c'est la même chose pour nous, on avait dit les ténèbres, alléluia, quand on était là à la veillée. Et le thème qu'on avait exploité à la veillée, c'était
fait que les ténèbres ne régneront pas toujours. On s'était posé la question, comment cet homme s'est retrouvé dans les ténèbres? Alléluia. Et c'est le lien que je suis en train de montrer qu'il y avait des ruines dans sa vie. Parce qu'on habite dans, je pense, la version de Matthieu nous dit que cet homme était dans les sépulcres, il avait fait un bon moment. Ce qui sous-entend qu'il n'a pas fait toute sa vie là-bas. Alléluia. Ça sous-entend qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie et il s'est retrouvé dans les sépulcres. Amen. Et alors nous disons que cet homme se retrouve dans les sépulcres. Moi, j'en déduis que c'était dû aux blessures qu'il avait rencontrées dans sa vie. Amen. C'était dû, peut-être il cherchait la gloire, peut-être il cherchait à faire quelque chose dans sa vie, il a été déçu. Amen. Ou nous, dans le temps actuel, on peut voir peut-être que non, après on ne sait pas qui c'est, donc il a qui est. Mais quand une personne va chercher les fétiches, c'est parce qu'il y a un besoin, n'est-ce pas? C'est parce qu'il y a un manque, n'est-ce pas? C'est parce que dans sa vie, il y a elle, ça ne va pas, il y a une ruine. Alors pour lui, le secours, c'est d'aller toucher les fétiches. Et les fétiches ont toujours des répercussions, comme nous avons dit. Et ça peut être le cas de cet homme. Alléluia. C'est pourquoi il s'est retrouvé dans les sépulcres. Ou peut-être, il a été abandonné par sa famille. Ou peut-être, sa femme l'a rejeté. Donc, je donne des suppositions pour que nous puissions comprendre là où nous sommes. Que c'était un homme comme toi et comme moi. Contrairement à ce que j'avais dit vendredi, c'est vrai que nous ne dormons pas dans les sépulcres. Alléluia. C'est vrai que nous ne dormons pas dans les ténèbres, entre guillemets. Où nous ne faisons pas, comme la Bible aussi dit, il se meurtrissait, il prenait des pierres, ça commençait à la mater. Nous ne faisons pas des choses comme ça. Amen. Et je prie que personne ne puisse arriver à ce niveau-là. Mais, toutefois, la chose que nous voulons soulever ici, que c'était un homme qui était dépassé, qui était surpassé, alléluia, et que les hommes qui étaient autour de lui ne pouvaient plus faire rien pour lui. C'est pourquoi il s'est retrouvé dans cet état-là. C'est pourquoi il s'est isolé. Et vous savez même que quand une personne, surtout qui connaît le Seigneur, qui rentre dans le péché, qui vomit ce qu'il avait mangé, alors le diable va tout faire pour l'étouffer, pour le ramener en arrière, pour l'isoler, pour le piéger, alléluia, pour qu'il reste dans un trou et que plus personne qu'il ne puisse avoir aucun accès, qu'il ne puisse pas avoir une forme de secours, alléluia. Mais ici, le Seigneur nous montre que cet homme, comme nous allons dire, sa gloire, sa destinée a été retrouvée. Alléluia. Alors, on nous décrit comment cet homme était au début. On nous dit que c'était un homme qui était lié, qui était enchaîné. Alléluia. On nous parle, on nous montre comment, donc, personne, j'ai dit tout à l'heure ici, que personne ne pouvait rien pour lui. Personne ne pouvait faire quelque chose pour lui parce qu'il était d'une force. Alléluia. Il était donc, il était agité, il criait, il pleurait. Ne pouvait rien pour lui. Mais alors là, personne. Et c'est là qu'il a fait sa demeure, les ténèbres, alléluia, les sépulcres. C'est là qu'il est resté dans le cimetière parce que lui, pour lui, il voyait que la mort, que les morts, peut-être c'était même les meilleures personnes avec qui il pouvait causer. Alléluia. Donc on dit à quel niveau cet homme était, faisait face. Et on ne distinguait pas entre le jour et la nuit. Il poussait des cris. On nous parle ici, on nous montre ici un homme. Nous avons dit ici qu'il était déshumanisé. Donc il n'avait plus l'aspect d'un homme. Il n'avait plus les réflexions d'un être humain, d'un être qui est à l'origine ou qui a le projet initial de Dieu. C'était un homme animal. Alléluia. Un homme animal. Mais gloire soit rendue à Dieu. J'aime bien dire cela. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu a toujours un plan B pour la vie. Quel que soit l'état que nous pouvons avoir dans nos vies, Dieu a toujours un plan B. Amen. Et le plan B de Dieu, c'était Jésus-Christ. Alléluia. Cet homme, malgré qu'il a été, il était possédé. Alléluia. Il était possédé de légion. Il était possédé d'esprit impur. Nous voyons Jésus d'un autre côté qui dit à ses disciples, après avoir fait des miracles, passons de l'autre côté. Amen. Et quand il dit à ses disciples, passons de l'autre côté, ça veut dire qu'il prend le bateau, c'est ce qu'il avait de l'autre. Et si nous lisons en haut, nous allons voir que quand ils ont pris le bateau, c'est là qu'il y a eu des tempêtes. Il y a eu des agitations. Mais Jésus, comme il savait qu'il avait une mission à accomplir de l'autre côté de la vie, lui, il était calme pour lui. Les disciples, les apôtres, Pierre, tout ça, eux sont agités. Mais Jésus,
les sons sont agités, ça dure pour que Jésus-Christ arrive. Mais ce soir, avec la parole que vous allez écouter, Jésus-Christ va rentrer dans ta vie. Allez, voilà. Jésus-Christ va rentrer dans ta vie. Autorité de Jésus.
au lieu de reconnaître l'autorité de Jésus dans ta vie, au lieu de reconnaître la puissance de Jésus dans ta vie. C'est ce qui s'est passé ici pour ce jeune homme, pour ce qui est parmi les gens. La Légion, plus de 1000 esprits impurs, vraiment. Je ne sais pas comment vous voyez les défenses. Déjà, quand on voit ça dans le château, sorcellerie, ça, on a encore vu la zone de la mais en tout cas, après, déjà, la sorcellerie, le fétiche, nous n'avons pas habité, mais il nous a rempli de 1000 démons. Mais ces 1000 démons ont reconnu la puissance de Dieu. Personne ici, maman, personne ici, ma femme, ma frère, ma soeur, ne peut le faire, nier ou refuser que Jésus a l'autorité sur ce monde. Amen. Quel que soit ce que tu vois sur cette terre, quel que soit ce que nous voyons, même avec toutes les religions qu'il y a, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est le roi de l'homme. C'est Jésus-Christ qui est le roi. Alors, aussi, on nous dit que les esprits impurs commencent même à supplier Jésus. Alléluia. Ils commencent à supplier Jésus. Par contre, ça, c'est quoi le risque? Ça va contre lui, qu'il commence à. Il est sous pardon, le cœur va pas aller, non, prie, si c'est bien répété, les démons se sont dit, Seigneur, répété. Et pourtant, ils ont leur maître qui est Satan, mais ils sont venus pour aller pour dire à Jésus, et répété. Alléluia. Est-ce que vous avez à Satan, et répété? Hein? Est-ce que vous avez jamais? Est-ce que vous avez à Satan, on va taper, et répété? Nous avons là. Par moi, ce qu'on va tomber, ça va bien sûr. Par là, on va se tailler sur nous, et répété. Est-ce que vous voyez vraiment quel Dieu nous servons? Est-ce que vous voyez quel Dieu nous connaissons? Est-ce que vous voyez quel Dieu nous comprend dans la lumière qu'il y a avec nous? Un Dieu fort et puissant. Même les démons reconnaissent qu'il est Dieu. Et ils commencent à le supplier. Ils le supplient, ils disent quoi? Oh Seigneur, t'as vu ici? Il y a des poissons. Il y a des pauvres. Jette dans les pauvres. Alléluia. Et Jésus a pris, a permis. C'est vrai, il y a certaines choses qui nous arrivent. C'est Jésus qui permet. Et nous, nous disons simplement, gloire à toi, Seigneur. Amen. Jésus a permis. Plus de 2000 pourceaux. Jésus a pris autorité. Il a dit à ses esprits un peu de quitter cet homme. Et il les a jetés dans les pourceaux. Amen. Les démons croyaient qu'ils étaient plus intelligents que Dieu. Alléluia, que Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que un esprit pour vivre, c'est dans la chair. N'est-ce pas? Il faut la chair. Il y a un bébé qui comprend. Parce qu'un esprit, son lieu, c'est les abîmes. Son lieu, sa résidence, ce sont les abîmes. Ce sont les ténèbres. C'est là qu'eux, ils résident. Alors, quand Jésus, normalement, prenait autorité sur eux, ils savaient qu'il ne fallait pas qu'ils n'abîment. Mais eux, ils ont cru parce qu'ils sont malins. Hein? Ils ont cru que non, nous, on est malins. Mets-nous dans les pourceaux ici pour qu'on aille vivre dans les pourceaux. Jésus-Christ a permis. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pour son coup de niveau. La maille, pas en Iwapi, la maille, la mer, là on dit qu'il y a des sorciers qui vont faire les fétiches, là on dit qu'il y a des sirènes qui habitent, là on dit qu'il y a des esprits, des eaux, pas en Iwapi, la maille, parce que c'est Jésus-Christ qui gagne toujours, parce que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur, parce que c'est Jésus-Christ qui est le plus fort. Bonne chose.
se passe pour toi qui ne peut pas descendre. Donc elle a des matériels qui sont chers. Vous avez des matériels qui ont un matériel qui ont un carreau. Alléluia. Et elle a eu une agitation. On nous dit après que Patrice peut bailler. On va dire ça va pour passer à la Yesu Mabé. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens, on nous dit ici que quand les gens sont venus, ils ont commencé à dire à Jésus de partir. Parce que pourquoi? Parce que Maman a perdu qui? Ils ont perdu 2000% qui sont partis dans les eaux. Maman dit, Maman a perdu 2000. Ça a 10 goulous. Ça a 50 goulous. Mais 2000, ça est béni. Alléluia. Or que Jésus a préféré perdre, que les gens perdent 2000% pour gagner la vie d'un homme. Je répète encore. Jésus a préféré que les gens puissent perdre 2000% pour récupérer la vie d'un homme. Ce que je veux dire, je ne veux pas permettre qu'autour de toi, les gens puissent perdre pour que toi tu puisses gagner. Pour que toi tu puisses être délivré. Pour que toi tu puisses être sauvé. Afin qu'aucun homme, au nom de Jésus,
tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Tout genou fléchisse. Tout honneur de confesse qu'il est Seigneur. Lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Le fou, quand on parle de lui, ici dans Marc 2, dans Marc 5, une fois que les démons et les esprits impurs ont quitté son corps, on nous dit ici quoi? Que les gens, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé cet homme, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent tous saisis de frayeur. Alléluia. Cet homme qui avait eu la légion, cet homme qui était prostitué, cette femme, pardon, qui était prostituée, cet homme qui était malade, Jésus-Christ a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Je te pose la question, quel est le nom de ta situation? Quel est le nom de ta circonstance? Quel est ton problème? Cet homme était démoniaque. Cet homme à qui avait eu la légion. Vous savez que on donne toujours des noms. C'est ça que Dieu avait fait avec Adam. Il a dit, tu te donnes l'autorité de donner les noms aux animaux, aux oiseaux, à des biens, aux fleurs, aux plantes. C'est ce qui s'est passé. Il a donné un nom. Toute situation a un nom. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous avons un nom qui nous est donné. Qui est le nom de Dieu. Il est le fait quoi? Le nom. Que ce soit des tempêtes. Qu'on a même des hommes. Ah, Covid, vous avez dit Corona 19. Covid, c'est une dégénérée. Guerre, il y a golf. Hein? Quand il y a une tempête, oh, Jacqueline, Catherine, tsunami, il y a toujours des noms. Alléluia. Maladie, cancer, hypertension, diabète, sida. Alléluia. Dépression, les comités maladies. Alléluia. On ne sait pas de parler estomac, gastrite, maladie. Les alignes, combo. Amen. Situation, pauvreté, célibat, chômage, veuvage. Ce sont des noms. Mais le Seigneur nous a donné un nom qui est au-dessus de tout le monde. Les noms. Il y a aussi la pauvreté, il y a aussi du veuvage, il y a aussi du chômage, il y a aussi le pauvre capital, il y a aussi du sida. Mais si le Seigneur l'a permis,
pour que ce soit possédé par l'esprit impur. S'il permet, même si ça prend du temps, c'est Dieu qui a permis. Et il permet parce qu'il a un témoignage pour toi. Il a permis parce que. Ils ont confessé que non, cet homme-là, il a quelque chose. Alléluia.
ont reconnu son autorité. Ils ont dit, non, cet homme-là, c'est Jésus. Il est Seigneur. Alléluia. 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 Ta vie ne vaut pas plus que les pauvres. Ta vie ne vaut pas plus que quelque chose. Dans ta vie, elle a plus de valeur, disons. Ta vie, Dieu veut réellement, à travers Jésus-Christ, changer ta vie. Dis amen. Amen. Si Jésus doit faire un choix entre les pauvres, entre une situation quelconque et ta vie à toi, sache que Jésus-Christ prendra ta vie. Alléluia. Alors le résultat ici, dans l'histoire que nous sommes en train de compter, c'est que les hommes vinrent et ils virent. Alléluia. Quand ces hommes-là sont venus et ils ont vu un homme nouveau. Ils ont vu un homme qui était vêtu de Ralatipinamba. Amen. Abimim Montou. Ils ont vu un homme qui était assis. Alléluia. Un homme qui ne pouvait pas rester sur place, si vous voulez. Un homme qui ne supportait pas les chaînes. Mais là, on le voit, non seulement il est assis, il est vêtu, mais on le voit un homme de bon sens. Donc, t'as compris qu'on résume. On t'a compris qu'on ne va pas capable. On t'a donné la sagesse. On t'a donné la sagesse. On t'a donné la kimia. Un homme de bon sens. Regardez ce que Jésus peut faire dans notre vie. Alléluia. Anatisio. Afanisio. Au côté de notre latine. Alléluia. Alléluia. Un homme qu'on avait vu il y a quelques minutes qui était fou, qui était sans espoir, qui était délaissé à lui-même, qui n'avait que pour ami les squelettes, qui n'avait que pour ami la mort. Mais à cause de Jésus, à cause de l'homme de Galilée, elle va nous balayer. Un homme assis, vêtu et de bon sens. Quand on a dit tout le monde, on a bon sens. C'est pour dire que tu peux perdre 15 ans, 10 ans, 30 ans dans ta vie. Mais quand Jésus-Christ va faire, c'est son temps. Et donc, Thank you.
Oh Jésus, c'est merveilleux. Oh Seigneur, merci pour tout ça. Mon Dieu, mon ami, qui nous sommes en oh, nous, qui avons laissé tout ce Seigneur. Et nous, qui dormons avec les yeux des morts, Jésus. Lui, prenez plaisir à l'esprit des tiers. Sur ça, nous avons dit à la veillée. Ne prenons pas plaisir à la douleur d'un lignon qui n'a malheur. Nous ne prenons pas plaisir à ta force de refuser ça. Refusez les échecs dans ta vie. Refuse les ténèbres dans ta vie. Parce que Jésus t'a donné la promesse que les ténèbres ne dureront pas toujours dans ta vie. Refuse les ténèbres. Cet homme-là, lui, dormait avec les morts. Mais quand Jésus est apparu, il a fait asseoir. Il a décidé. Afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse et les démons.
ont fléchi le genou. Et sa bouche a confessé que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alors ce soir, nous voulons aussi fléchir le genou et confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Que les ténèbres ne règnent pas toujours dans notre vie. Que le Seigneur nous